Parashat Vayera, dans laquelle nous assistons à la fin à Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, où Akadosh Baruch Hu demande à Avraham, prends ton fils unique que tu aimes, Yitzhak, et fais-le monter comme holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Avraham Avinu n'hésite pas. Il fait monter son fils, il construit l'autel, il l'attache, et au moment où il veut sacrifier son fils, un ange l'arrête et lui dit « Ne touche pas à ton fils, ne lui fais absolument rien. Maintenant, je sais que tu crains Dieu et que tu mérites toutes les bénédictions que je t'ai données. » Avraham Avinu lève les yeux, cherche quelque chose, on ne sait pas tout à fait quoi. Et là, il y a un bélier qui apparaît. Et il prend le bélier et il fait le sacrifice de ce bélier, Tachat, à la place de Yitzhak. Et nos mères disent que pendant tout le sacrifice de ce bélier, au moment où il attache, au moment où il fait la shrita, au moment où il fait couler le sang, au moment où il reçoit le sang, il prie, il implore Dieu, Yehi Ratzon, que ce soit considéré comme si je l'avais fait sur mon fils. Alors, deux questions se posent. Première question, qui a demandé à Avraham Avinu de faire ce sacrifice de ce bélier? Pourquoi était-il si important de faire ce sacrifice? Surtout lorsqu'on sait, et Rashi nous l'a dit, que la Akedat Yitzhak, le sacrifice Yitzhak, n'avait pas été demandé explicitement par Akadosh Baruch. Lorsqu'Avraham Avinu se plaint devant Dieu, en lui disant, mais au départ, tu me dis que j'allais avoir une descendance par Yitzhak. Ensuite, tu me dis de le sacrifier. Je le fais monter pour le sacrifier. Tu me dis, arrête. Alors, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Akadosh Baruch Hu lui dit, Motsas fatay lo ashané. Ma parole est immuable. Je t'ai jamais dit de sacrifier ton fils. Je t'ai dit de le faire monter dans la montagne. Tu l'as fait monter, maintenant tu le fais descendre. La parole de Dieu est immuable. Qu'est-ce que Dieu dit avec ça à Avraham? Il lui dit que à aucun moment, il lui a demandé de sacrifier concrètement son fils. C'est vrai que tout était là pour qu'il le croie. C'est d'ailleurs tout son mérite d'avoir voulu jusqu'au bout sacrifier son fils. Mais dire que la parole de Dieu a changé, erreur. Alors, dès lors, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un bélier pour se substituer à Yitzhak. Première question. Deuxième question. Pourquoi est-il important d'avoir une deuxième apparition de l'ange pour promettre et jurer à Avraham qu'il aurait une grande descendance et que grâce au mérite de Akedat Yitzhak, toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu vont se réaliser? Il ne pouvait pas dire tout ça la première fois, lorsqu'il il arrête Avraham, qui est en train de faire Akedat Yitzhak. La réponse à ces deux questions, chers amis, c'est que il y a deux étapes dans le mérite de Akedat Yitzhak. Première étape, l'Akedat Yitzhak elle-même, l'épreuve d'avoir accepté de sacrifier son fils. À ce moment-là, Avraham Avinu mérite toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Mais il n'y a pas encore de serment. Shavua, lorsqu'il y a un serment d'Akadosh Baruch Hu, en aucun cas, il peut y avoir de changement. La promesse est immuable, quelle que soit la situation. Pour arriver à cela, Akedat Yitzhak n'était pas suffisante. Écoutez bien, chers amis, parce qu'il s'agit là d'une idée tout à fait nouvelle, tout à fait révolutionnaire dans ce texte. Akedat Yitzhak, c'est Messirut Nefesh d'Avraham potentiel. Tant qu'il n'a pas fait couler le sang de son fils, il n'y a pas encore le Messirut Nefesh concret. Même si il abaisse son bras pour faire la Shrita, la Shrita n'est pas encore faite. Il a un mérite
extraordinaire, c'est le mérite que l'ange lui promet la première fois. Par contre, pour arriver à ce qu'Akadosh Baruch Hu jure, et donc que cette promesse soit immuable, il faut le bélier. De ce point de vue, le sacrifice du bélier, chers amis, vous entendez bien, est plus important qu'Akedat Yitzhak. Bien sûr, lorsque il vient ensuite à Akedat Yitzhak. Avraham Avinu n'a pas eu d'ordre de faire le sacrifice de ce bélier. Mais sa volonté de concrétiser l'Akedat Yitzhak, même si d'un côté, bien entendu, il était heureux que son fils soit épargné, avoir ce mérite du Messirut Nefesh concret, c'est une autre dimension. Et c'est ce qu'il fait à travers ce bélier. Yahi Ratson, que Dieu veuille que mon Messirut Nefesh et celui de mon fils soient considérés comme un Messirut Nefesh, un don de soi, une abnégation totale et concrète. C'est la raison pour laquelle il faut le deuxième ange, c'est la raison pour laquelle il faut le bélier. Donc entendez bien, chers amis, le Messirut Nefesh concret de nos actes, qui s'exprime par nos actes, est encore plus important que toutes nos volontés et nos désirs de servir à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'un désir et une volonté ne se sont pas concrétisés, on reste dans la dimension du théorique. Dans la dimension du théorique ou de la théorie, les brachot sont là, mais elles peuvent changer en fonction des circonstances. Lorsque on amène avec sincérité et Messirut Nefesh la concrétisation de notre Teshuvah, de notre volonté de Messirut Nefesh, de notre amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est là que les brachot se fixent en nous, chez notre descendance, Ad Sof Kol Hadorot, jusqu'à la fin des générations. N'oubliez pas le sacrifice du bélier, qui est la concrétisation de l'Akedat Yitzhak, est encore plus puissante que l'Akedat Yitzhak elle-même.